Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un livre de coloriage sur le thème Halloween to Christmas. Voilà, j'essaye de sortir ceux que j'ai pas présentés et qui pourraient matcher dans les futurs packs. Et qui est dans ma pack actuellement? Ça fait depuis sa sortie que je l'ai. D'ailleurs, il y a le dernier qui est sorti, mais un livre par Amazon, ça m'énerve un petit peu. Et tu peux pas te fournir ailleurs parce que bah, c'est du Amazon, quoi. Mais bon, bref. Le From Halloween to Christmas, Special. Donc, c'est le Coloring Book 5. C'est les Coloring Chic. Voilà, vous l'avez peut-être connu avant, c'était les Coloring Chic, mais bon, maintenant, Derya Kerzoï, Sakirzoï, comme d'habitude, je ne sais pas, vas-y, Sœurette, moque-toi de moi. Donc moi, je prends la version grayscale à chaque fois, parce que bah, je préfère, tout simplement. Et on adore les petites chibis, là, elles sont trop mimes. Ces mises en couleur, elles sont juste... Donc voilà, on va faire un petit flip-through. Histoire de vous donner envie, si jamais vous avez envie de craquer pour un livre prochainement, que vous n'avez pas de livre sur le thème d'Halloween ou Noël, enfin fin d'année, voilà. Ça peut peut-être vous donner des idées. Parce que c'est vraiment... Oh, Mims. Franchement, franchement. Allez. Oui, le papier, c'est pas... Mais c'est pas du recto verso. On peut quand même, voilà, feutre alcool, tout ça, tout ça. Hein? C'est trop bon, ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comment ne pas craquer? Trop bien. Et bien entendu, je n'y suis toujours pas allée. Mais oui, mais cette année sera la bonne. Cette année, j'y vais. Sinon, bah, vous aurez trop à me taper. Voilà. Ça devrait pas prendre trop de temps à mettre en couleur quoi. On a certaines plus que d'autres, mais il y a des petites sympas. Et chacune a son petit nom, tout ça, tout ça. Ah, c'est Papa Noël. La mère Noël. Non. Celui-ci, vous pouvez le faire et faire rajouter un petit mot et l'offrir. Voilà. Non, ah, là, vous pouvez le signer en plus. Oh là là. Oh là là. J'aime beaucoup ce que fait derrière. Et je la mets pas assez en couleur. Je le sais, hein. Mais j'aime beaucoup. Les feuilletés et tout. Hein. Toujours un plaisir. Love is in the air. C'est pas. C'est le titre du colo. Hein. Voilà. Donc, moi, il me manque celui-là. Celui-là, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas non plus. Il manque le 1 et le 2. Ça, c'est lequel? Fairy Portrait. Mais je l'ai, mais en version grayscale. Celui... non. Il me le faut en grayscale. Ah, ouais. Ça, c'est 4-4. Moi, j'ai celui-là. Ça, c'est Line Art. Ça, c'est les deux. Ah oui, donc moi le 2, j'ai celui-là, mais il faut que je prenne celui-là parce que c'est du grayscale. Voilà. Celui-là, je l'ai. Enfin, j'en ai. Il m'en manque un. Bah, il me manque deux du coup. Parce que oui, celui-là, je l'ai, mais je suis pas fan du Line Art. Je préfère vraiment le grayscale. Donc voilà. Pour ce petit flip-through. Voilà. Bien sympathique. On aime. On peut se faire plaisir au niveau des couleurs et tout. Voilà quoi. Moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous l'avez, si vous voulez qu'on se fasse un petit duo. Voilà, les semaines à venir. Je vous fais des bisous.
Prenez soin de vous, faites de beaux colos, et on se retrouve bientôt. Ciao.